Salut à tous et à toutes, c'est Panix, comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ce gameplay en fait est un gameplay que j'ai réalisé en live. Malheureusement, mon micro fait des siennes. Je sais pas pourquoi, sur mon ordinateur, il décide de se muter soudainement. Genre, au niveau où il se mute, moi je le mute ou quoi que ce soit, mais quand je fais dans le périphérique d'enregistrement, bah il est. Le son est coupé. Faut pas m'expliquer pourquoi, c'est. Un peu ça le problème du mixamp et du Astro, j'ai l'impression qu'il fait un peu tout à sa manière, à comment il veut, par rapport à Skype, il y a des soucis où genre si je le mute sur Skype, et bah ça va muter sur tous les autres micros, enfin bref, c'est du n'importe quoi. En tout cas j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai dit, j'ai sorti une toute nouvelle vidéo hier. Normalement si j'arrive à sortir cette vidéo dimanche. Donc. Le souci pour la sortir cette vidéo lundi, pardon. Parce que le souci, c'est que le lundi, j'ai cours jusqu'à 19h. Donc, à moins que j'arrive à poster cette vidéo avant lundi, ça me permettrait d'avoir. De pouvoir juste avoir. La mettre en non répertorié et en public. Mais enfin bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Du coup, vous avez eu des ressentiments pour les préparations de la demi-finale, comment ça allait se passer, etc. Alors que tout simplement la demi-finale est terminée, c'est un peu con. Je vous l'admets, c'est bête. Je vous avais invité à regarder notre stream, etc. Mais finalement, bah voilà, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Comme je sortais la vidéo un jour après. En tout cas, moi je vais vous expliquer un peu comment s'est passé ce tournoi. Donc ça y est, on est qualifié pour Paris. Donc on est super content. On n'a pas eu beaucoup pas trop de mal techniquement parce que on a eu un double free win. Ce qui en fait nous a pas du tout fait plaisir du tout. Ce qui veut dire qu'en fait c'est dans un bracket de 16 où il faut juste aller en finale pour être qualifié à Paris. Ça voulait dire qu'on avait 3 matchs à jouer. Et dans notre côté du bracket, l'équipe qui était la plus à craindre, c'était les XS ou les Miu. Et du coup, nous, les deux équipes, enfin non, il y avait 3 équipes en tout qu'on pouvait jouer. Donc la première équipe, ils étaient 3 joueurs sur 5. Et la deuxième et troisième équipe, ils étaient pas là, ils ont directement été auto-disqualifiés. Voilà, tout simplement, parce qu'il y a eu des soucis d'auto-qualification, des conneries du genre, etc. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, on fait avec. Juste une petite précision, cette partie, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en live, avec un commentaire et une vidéo même, mais bon, du coup, un peu la quenelle pour la vidéo. Peut-être que je mettrai la vidéo quand même, mais bon, j'aurai l'air un peu bête de parler, de me voir sur la vidéo parler tout seul. En tout cas, on est arrivé en demi-finale face au Miu. Pas du tout chauffé, enfin si on avait joué un peu, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que on n'était pas dans le tournoi. Quoi qu'il arrive, on a réussi à très bien s'en sortir. Donc je crois qu'on a bien gagné sur la première map. C'était au moins de 100 points, un truc comme ça, je pense. La deuxième map, c'était sur une CTF, mais Angel City. Là, ça devenait plus compliqué. Oh. Excusez-moi. C'était plus compliqué parce qu'on a eu le mauvais side. Ils nous ont mis deux drapeaux. Et on s'est dit, bon les gars, on essaie de se concentrer. On va pas se faire prendre d'autres drapeaux, etc. Et de toute façon, on a déjà eu pire comme situation. Une fois, ça nous est arrivé de nous prendre un 3-0 par les... Je crois que c'était à l'époque Evolved. Puis de remonter 4-3. Donc, honnêtement, on s'est dit, c'est faisable les gars, on le fait, on se concentre. Du coup, sur le bon side de notre côté, on a eu, on a mis deux drapeaux, plutôt assez rapidement. Après, on a eu plus de mal. Je sais pas si on avait plus peur, moins envie d'être agressif, envie d'être sûr de pas se prendre un autre drapeau, alors qu'on avait le bon side. Enfin, je sais pas trop ce qui s'est passé dans notre tête.
Et du coup, on n'a pas réussi à mettre un troisième drapeau. Plein de fois, on était à la limite d'en mettre un, mais on n'arrive pas à faire la finition, tout simplement. C'était un peu dommage. Alors on part en stopwatch. Encore une fois, il commence avec le bon side et on se prend un drapeau en 1 minute 30. Ça, c'était vraiment chaud. Donc, on s'est dit toujours, les gars, on peut le faire, c'est faisable. Ils vont camper, sûrement, c'est obligé. Du coup, à nous de jouer intelligemment, on vaut mieux qu'on fasse un gros rush qui marche plutôt que de soirée. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. On a réussi à sortir le drapeau. Malheureusement, on n'avait pas de cover sur la gauche. On n'a pas réussi à empêcher T-Dog de prendre notre drapeau chez nous. Il s'est barré. Au moment où moi je l'ai tué, il y avait Ricky qui était sur le point du drapeau, enfin en train d'attendre qu'on ramène le drapeau pour valider le point. C'était 1 minute 30 à peu près par là. Je tue T-Doc, quand je touche le drapeau, boum, en même temps Ricky se fait tuer. Du coup le drapeau ne peut pas être ramené. Et en plus c'était vraiment, ça se trouve c'était déjà trop tard, je n'arrive pas à dire, c'est passé tellement vite. C'était vraiment limite, limite, limite de chez limite à ce niveau-là. Et après on a fait encore deux autres maps. C'était une domination sur colonie. On se mettait bien en place, on a plutôt bien géré. On a gagné le premier set 374, 70, 74, pardon, 174 pour vous. On a perdu le deuxième side 300 à 299, ce qui veut dire d'un point. On a cru qu'on allait y arriver pour avoir ce petit 300, ce deuxième side gagné, mais non. Enfin bon. Sinon, après on a eu une troisième CTF, deuxième CTF. C'était sur Smuggler's Cove où on a réussi à gagner 2-0. C'était assez intense. Le deuxième side, c'était beaucoup de défense, à chaque fois des petites peurs, etc. Surtout Zora et Ricky qui nous ont fait une grosse peur parce que pendant le deuxième side, en fait, ils ont. Faut pas. J'ai pas envie de savoir. Donc les deux, ils étaient à Lyon et chez Zora. Et ils ont cru qu'ils avaient une petite pause ou je sais pas quoi. Et ils sont partis. Et en fait, nous, on était à 3 avec Lux et Circa. Et les excès ont commencé à sortir un flag et tout. Et on est là, mec. Qu'est-ce qui se passe et tout, c'est pas normal. Et il y a Zora Ricky qui arrive. Ah quoi, ça a commencé et tout. On les a insultés. Et finalement, on a réussi à ramener quand même des drapeaux tout juste. Donc voilà. C'est des erreurs qui arrivent. Du coup, on a gagné, comme je vous l'ai dit, 2-0. Après ces 2-0, c'était final. C'était définitif. On va à Paris. Donc, de l'autre côté, il y avait Soc vs Gameoniac. Donc, les Socs ont gagné 3-0 face aux Gameniacs. Gameniacs était une très bonne équipe aussi. Faut savoir qu'avant, le match d'avant, les Socs avaient eu les Pyrogènes. Les Pyrogènes sont une équipe qui ont commencé juste pour le tournoi Titanfall à 10 000 euros et qu'ils ont beaucoup progressé en très peu de temps. Ils auraient pu mériter d'être un meilleur placement que top 5-8. Mais, grand bravo à eux, ils n'ont pas démérité face aux Socs. Sont bien battus. Enfin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que. Oui, donc ils ont gagné 3-0. Sinon, après, il y a eu la finale, petite finale plutôt, qui a eu lieu entre les Gameoniacs et les XS. Les Gameoniacs ont réussi à gagner. Et je pense que c'est tout. Je crois que c'est tout. Alors, à part ça. Ouais, donc vendredi prochain, nous serons à Paris, toute l'équipe Covenant. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est vraiment, on avait hâte de se retrouver à ce moment-là parce que ça voudrait dire que c'est la première fois qu'on se voit. Ricky, c'est un petit moment que je le connais, depuis que j'ai commencé mes vidéos quand même, que j'ai toujours pas rencontré. Il y a aussi Zora, Lux et Circa que j'ai quand même rencontré au début de Titanfall. Et chacun c'est mes petits chéris, donc j'ai vraiment hâte de tous les rencontrer.
On va aussi avoir. Ouf, attention, il y a mon écran qui se met en veille. On va aussi également avoir la chance de rencontrer Alpha, Worms, Pami, IRL, et aussi par rapport à la Infamous, on a Soso qui était dans le roster Infamous Elite, qui viendra avec nous, il fera le covoiturage avec nous. Parce que moi, en tout cas, j'irai à Lyon, puis on fera un covoiturage avec Zora, Soso et Ricky. De quoi se taper des bonnes barres dans la voiture. Et puis, on rencontrera aussi Kain, le président de notre structure. Ça fera. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir tout le monde. Ça va vraiment être cool. Donc, une expérience déjà qui va être sympa en soi. On est vraiment content du parcours qu'on a eu. Maintenant, pour la finale, c'est le moment où il faut tout donner, quoi, parce que. Comme je l'ai dit, on a tout gagné, enfin tous les tournois qu'on a participé, on a gagné presque. On a dû peut-être en perdre un ou deux. La plupart du temps, on lâchait pas de map, etc. Enfin, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'on a vraiment envie de maintenir ce rôle. De maintenir ce titre, plutôt, pardon. Et il n'y a pas moyen qu'on lâche ce titre au soc. Désolé pour eux, mais voilà. On va tout faire pour la remporter. Et puis remporter un titre pour l'Infamous qui nous a fait confiance, pour nous-mêmes, pour tous ceux qui nous ont soutenus, parce que vous avez été incroyables sur Twitter et tout. On a reçu tellement de messages de soutien, de félicitations, etc. que vraiment merci à tous. Il y a pas mal de moyens pour participer à la finale de Paris, si vous voulez, en tant que spectateur. Il y a des concours sur le Facebook de Titanfall France, sur le Twitter de Titanfall France, le Twitter de Wartech, je sais qu'il va en organiser un dimanche soir, et finalement encore sur Xbox France. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Également, il y aura un stream, ce sera vendredi prochain, du 10 octobre, vers 18h, 19h, 20h, je ne sais pas exactement encore, dans la soirée. Il y aura un showmatch vs FaZe, normalement, avec la finale, ça sera très serré avec les socs. Même s'il y a un 3-0 ou quoi que ce soit, je peux vous garantir que ça jouera à 1 ou 2 points sur chaque map. Ça a toujours été comme ça, avec eux, dernièrement en tout cas. Sur les dernières qualifs, c'était comme ça. Enfin bon, moi j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour être au courant du live, tout simplement. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like. Puis moi je vous dis tout simplement à la prochaine. Sinon, portez-vous bien. Ciao, ciao.